Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Ça y est, je suis rentrée d'Annecy et on va reprendre les vidéos avec une petite vidéo sur les Sims puisque vous avez été assez nombreux à me demander la suite d'Harley Quinn et de Poussin sur les Sims. Donc on va les retrouver dans leur appartement et puis on va voir ce qui va se passer. Alors voilà, on se retrouve en ville et donc on va aller rejoindre Madame Queen qui habite ici avec son cher et tendre poussin, voisine à ma petite Queen, mais cette fois des vovos. Et à cette saloperie de voisines et de voisins qui foutent le bordel tous les jours. Allez, on va les voir. Donc forcément, ils ont pas mal d'argent. J'avais rempli un petit peu leur compte en banque. Et les voilà. Alors je crois que quand je les avais quittés, ils étaient en train de se faire un petit bisou. Oh, ils sont trop mignons. Bon, en tout cas, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas vu, je remontre un petit peu leur maison. D'ailleurs, on va faire pousser. Alors, graines aromatiques pour débutants. Ça me semble pas mal. Graines de légumes, graines de fruits, graines de fleurs. Oh, des petites herbes aromatiques, je pense que ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. On va faire pousser des petites choses ici. Et puis, on va aller parler un peu à nos voisins. Parce que ce serait bien qu'ils soient amis avec des bobos comme ça. Si un jour, ils décident de nous faire un ou plusieurs petits-enfants, ce serait bien que la voisine vienne les garder quand ils sont occupés. Donc, je pense que je vais l'inviter. Inviter à passer du temps ensemble. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, on va l'inviter à la maison. Ça va lui changer un petit peu de son pauvre boui-boui, parce que je sais pas si vous vous souvenez de la part de Devovo, mais c'est pas la fête, la pauvre, elle trime. C'est encore une lycéenne et elle travaille le soir, donc c'est pas évident pour elle. Bon, monsieur Joker, lui, il a besoin de faire des farces et d'être un peu vilain. Avant, on va aller lui faire pipi et manger. Alors, si je ne dis pas de bêtises, voilà, mes toilettes sont ici. Admirez le nouveau bien, genre. Monsieur Joker, je sais pas si vous savez cuisiner, mais ce serait bien de faire quelque chose ou d'embaucher du personnel, voilà. Embaucher un traiteur, bon voilà. Tout simplement, comme ça on ne fait plus la cuisine, c'est terminé. Nous avons Devovo qui vient d'arriver et de se caler sur le canapé. Bonjour, est-ce que ça te plaît? Elle est un peu blasée de la vie. Elle est déjà sur son téléphone, elle en a rien à foutre. Elle s'en balèque. Allez, va parler un petit peu. Raconter des histoires dramatiques. Oui, je vois très bien le Joker raconter des histoires dramatiques. Voilà, il a embauché quelqu'un. Au moins, on va avoir un service au top. Et puis, moi, je vais faire connaissance avec Poussin. Bon, je le piquerai pas à Harley Quinn, hein, mais... faut quand même faire connaissance. C'est pas interdit. Moi, je suis la Harley Quinn qui n'est pas encore tombée dans le bain d'acide, là. Malice. Se renseigner sur les biens précis. Mentir sur la carrière. Ouais, c'est totalement son style. Il y en a une qui fait du coup le ménage, etc. Ma pauvre Harley. T'es réduite à aller faire les poubelles, quoi. Je pense qu'il va falloir embaucher une domestique aussi pour s'occuper du ménage, parce que ça va pas aller, là. Harley, elle a autre chose à faire de sa vie. On a l'impression qu'elle est son sœur, limite. C'est perturbant. Oh, louloute. Par contre, sa voix est super flippante. C'est excellent. Ah bah tiens, notre cher voisin. On va aller s'occuper de lui un peu, là. Il y en a marre de toi, de tes bêtises. Alors on va... méchant ou malice, j'hésite. Inviter une fausse soirée. Ah, grave. Rien que pour le faire chier, vu qu'ils font des soirées tous les jours chez eux. Eh, ça te dirait de venir à une soirée que j'organise pas? Ouais, il a l'air super content. En fait, non. Allez, salut. Oh, les plats sont servis. Génial, on va pouvoir manger. Bah, c'est l'heure. Allons manger. Prendre une portion. Servez-vous, je vous en prie. Oui, enfin, on paye pas quelqu'un pour qu'elle nous mette le feu dans la cuisine. Hein. J'y crois pas, quoi. Encore un peu, ça cramait. Et ça, c'est traiteur, ça. On paye pas pour la qualité, hein. Bon, on va pas se faire un plan à trois, par contre. Vous êtes gentilles, les filles, mais... À un moment, Devo, il va falloir que tu rentres chez toi pour nous laisser un petit peu d'intimité. La pauvre, ils sont en train de manger sur son lit tranquille, il lui propose rien. Tristesse. Et lui, il s'est invité chez nous, du coup. Eh ben, c'est la belle vie. Bah, tu vas t'en aller tout de suite, mon père. Le mec, on l'invite à une fausse soirée, il s'incruste, quoi. Laisser entendre que maman est un lama. Ouais, je suis d'accord. Sa mère, c'est un lama. Le pire des lamas, même. Un lama qui crache. Avec un poil rose et ébouriffé. Insulte suprême de la maman, quoi. Ta mère n'est qu'un lama. Un lama. Un lama. Moi, j'ai hâte qu'il lui dise. Ah bah, il est pas content. Bim! Il lui a dit ou lui a pas encore dit? Action! Non, non, c'est pas ça que je vais faire. Attention. Amour. Plus de choix. Allez, on fait un bébé là devant tout le monde, c'est parti. On va leur demander de sortir, on va faire des petits gestes comme ça. Bon là, Harley et moi on a bien réfléchi et maintenant qu'on s'entend bien avec vous et que vous êtes des voisins cool,
Ce serait génial si vous pouviez garder nos futurs enfants et donc on va s'y mettre tout de suite. Merci. Oh, elle trouve ça génial. Elle est d'accord. Ouais, je vais les garder tous. S'ils sont 5, 6 ou 7, y'a aucun problème. Je les cale tous dans mon bureau. J'aurai plus besoin de travailler après les cours, ça va être génial. Oui, enfin, il faudrait quand même faire attention à leur éducation, vous voyez. Lui s'en fout. Ah bah du coup, Devo, elle est partie se coucher direct. Elle est en lingerie, elle dit, est-ce que quelqu'un peut me laisser tranquille? J'aimerais passer un peu de temps avec Monsieur Joker, je pense qu'elle va jarter tout le monde. Alors, demandez de partir, salut. Demandez de partir, salut. Bon bah merci d'être venu. Allez, salut, salut. Elle est en train de lui proposer là. Ah, il est d'accord, il a l'air tout exciting. Par contre, elle est pas d'accord pour qu'il reste regarder. À un moment, il y a besoin d'un petit peu d'intimité. Je suis d'accord. Attention, non, non, non. Non, ne regardez pas, non. C'est beaucoup trop... Oh mon dieu. Je crois qu'ils sont en train de... se faire des bisous. Beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça fait quand même quelques années qu'ils se côtoient, ils ont fait plusieurs braquages ensemble. En colère? Qu'est-ce qu'elle a? Voisin bruyant! Et voilà, ça recommence. Pourtant, on les a invités à la maison, hein. C'est la voisine. C'est la voisine qui est en train de mettre le dawa encore. Je pense que Joker va aller s'en occuper. À un moment, si on peut plus faire des bébés tranquilles, puis alors c'est Joker qui tape à ta porte, t'as intérêt de répondre, quoi. Non mais elle, c'est une grosse fêtarde en vrai. Bon! On va déjà faire ça. On va déjà lui lancer un bon gros verre d'eau à la tête. Ils s'entendent bien en plus, c'est horrible, c'est. T'as les deux qui sont des potes et puis après t'as elle qui fout la musique et qui va se calmer. Alors là, ils viennent lui rentrer dedans. Elle a encore un sourire, hein. Elle est heureuse, la meuf. C'est pas possible. Ah, là aussi, elle vient s'en mêler, elle a raison. Elle est sérieuse, là? Elle est sérieuse. Elle se pointe chez nous alors qu'on vient de lui dire que c'était inadmissible ce qu'elle faisait, quoi. Bon, là, je crois qu'on a été beaucoup trop gentil avec elle. Alors, on va la critiquer. On va lui jeter une boisson. On va la repousser. À un moment, on va lui faire comprendre qu'elle est juste pas la bienvenue, quoi. Et on va la jarter de la maison. T'es nulle. Ta musique, elle est nulle. Il y en a ras-le-bol de tes conneries. Et on peut même plus cliquer sur la porte, donc la musique, elle s'arrête même plus, quoi. C'est quelque chose, quand même. Bon, bah, du coup, il est trop fatigué, il va falloir qu'il aille dormir. Il peut même pas dormir à cause de la musique. Il y a trop de bruit pour qu'il dorme. Il y a trop de bruit et on peut pas dire à cette saloperie de pas. C'est quand même redoutable. Bon, bah oui, bah je crois que la meilleure chose à faire, c'est encore de boire un café. Hein. Bon, on n'a pas de bol, on est tombé sur des voisins hyper fêtards. On va voir, on aura peut-être une bonne nouvelle. On va faire un test de grossesse, ça va nous détendre. Parce que peut-être que nous attendons un petit poussin. Suspense. Ah oui, d'accord, lui prend son bras au calme. Je suis en train de faire mon test, là. Et l'autre qui revient. Oh mon dieu. Oui. Nous sommes enceintes. Et cette espèce de grosse cruche, elle est revenue dans notre maison. Mais c'est pas possible. Elle est quand même en train de lui annoncer la nouvelle aux toilettes avec son café dans les mains. Hein. Ripare les queens. Mais bon, ils sont heureux, c'est le principal. La vie est belle. Bon, toi, tu t'en vas de chez nous. Est-ce qu'elle peut rentrer chez elle pour qu'on puisse aller lui demander d'éteindre sa musique? Eh ben, c'est pas trop tôt. En fait, fallait qu'elle rentre chez elle, quoi. Bon, allez, tout le monde au lit, c'est parti. On va faire un petit dodo. Suivi d'un bon bain demain matin. Et ensuite, on ira faire un tour en ville pour annoncer la nouvelle à tout le monde, à tous les gangsters, que bébé poussin est en route. Oh! C'est qui, elle? On a un sosie qui se balade ou quoi? Harley Lafosse? Il y a Harley Lafosse qui se balade! Sans pied! Non, non, là, c'est pas possible. À un moment, il va falloir... il va falloir remettre les choses au clair, là. Harley Lafosse. Ok. Bon, allez, vivement demain matin, je pense qu'on va aller se prendre un bon petit truc à manger. Il est sérieux à nous appeler, lui, alors qu'il nous a pas laissé dormir? Bouge! C'est quoi ces voisins qui veulent absolument faire de la sympathie? Tout ça parce qu'on a du fric, je suis sûre. Ça, c'est, ça sent les voisins intéressés. On les a engueulés, on leur a jeté de l'eau au visage, on leur a dit qu'on voulait plus jamais les revoir. Le mec, il m'appelle.
à 6h du matin. Oh, c'est déjà plus bon. Bon, va falloir rappeler un traiteur, je pense. Ou alors se faire un petit plat au micro-ondes. Pâtisserie micro-ondes. Allez, hop là, c'est réglé. Simple, rapide et efficace. Je demande la petite pâtisserie au micro-ondes. Ben, ça fait du bien de prendre un petit bain. Ça nous détend. Moi aussi, j'aimerais bien un petit bain. J'avoue que je prendrais bien la place d'Harley Quinn, là, tout de suite, maintenant. Elle est en train de s'éclater. Lui aussi, il prendra un petit bain après elle. Et il va aussi manger une petite pâtisserie au micro-ondes. Je pense que ça lui fera pas de mal. On en est où de ces petites graines-là? On a acheté des graines. J'ai pas l'impression qu'on les a plantées. Ils sont disponibles dans l'inventaire. Très bien. Alors, on va aller regarder notre inventaire. On ira les installer. Voilà. Monsieur Joker ira jardiner après. Après avoir pris son bain, il est en train de s'éclater lui aussi. Alors, où en est notre petite Harley? Elle est contente. Hein, c'est très excitant de découvrir une nouvelle vie qui se développe en vous. Wouh! Deuxième trimestre. Ça va vite. Hein. Est-ce qu'on voit déjà son petit bidon ou pas? Pas trop. Hein. Pour l'instant, elle est encore svelte. Profite, Harley, ça va pas durer. Bientôt, tu seras une grosse baleine. Mais c'est pour ton bien. C'est pour la descendance de Monsieur G, quand même. Ils ont raison. Autant regarder un petit peu les informations et se détendre. Je vais demander à Harley de s'occuper des graines. Un petit livre, et bah c'est bien. Le Seigneur des Balançoires. Ça a l'air très intéressant. Allez, on va allumer un petit feu. Oh, on en a des choses. Du basilic, du raisin, des bananes. C'est cool. Il est en train de se marrer avec ses bananes, lui. C'est un peu le bazar, là, par contre. Va falloir faire un peu de ménage. On va se prendre une femme de ménage. Je sais pas ce que vous en pensez. Proposer un rang à inviter à quelqu'un, organiser un événement. Acheter un service. C'est Joker qui va s'en charger. Après tout, madame est enceinte. Ça va pas être facile tous les jours. Elle va avoir des envies de fraises à 3h du matin. Domestique ponctuel. Domestique régulier. Ouais, c'est ça que je voudrais. Oh, une nounou! Génial! Bon, déjà un domestique régulier, ce serait pas mal. Et puis par la suite, oui. Oh, il va falloir qu'on installe la chambre de bébé. On va le mettre où? J'avais pas du tout pensé à ça par contre. Il va falloir faire une petite réorganisation parce que là. Bah on va le mettre dans la chambre des parents, mais on n'a plus trop de place. Je pense qu'on va, on va décaler un petit peu l'espace lecture. Je sais pas du tout où on va pouvoir mettre cette étagère. On va la mettre là en attendant. Ou là-bas. Alors on va la remettre où elle était. On va décaler le... Nous n'avons pas l'espace... Nous n'avons point l'espace de mettre cette petite bibliothèque qui est pourtant fort mignonne. Mais là, il va falloir faire un choix et à un moment, bébé est quand même assez important. Je pense que nous allons être obligés de nous séparer de notre magnifique bibliothèque pour installer le couffin de bébé. Donc, on va le mettre dans la chambre des parents pour l'instant et ensuite on essaiera de s'aménager une chambre d'enfant parce que ce serait quand même l'idéal qu'il puisse après grandir, etc. Je vais mettre un berceau jaune puisqu'on ne se connaît pas le sexe du bébé. Bibliothèque pour enfants, on va pas mettre. Table de nuit, pays des rêves. Qu'est-ce que nous avons besoin d'autre? On va lui mettre des petites étoiles au-dessus de la tête pour qu'il fasse des beaux rêves, tout ça, tout ça. On va évidemment lui mettre un petit ours en peluche, cela va de soi. Une licorne même. Swaggy, swaggy. Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Bon, il va falloir réorganiser. Alors c'est vrai que là, on avait prévu donc une maison de base pour deux. Et il va falloir la réorganiser pour trois. Ou quatre, ou cinq. Je sais pas combien nous allons avoir de bébés. Donc, pour ce faire, on va bouger quelques petites choses. Par exemple, la plante, on va la récupérer, on va la mettre à l'extérieur. Le bureau, il va passer dans le salon. Je sais pas encore comment... Je vais rétrécir un petit peu, du coup, le coin canapé. Le coin salon, voilà. Il va légèrement se décaler. Comme ça, j'ai la place de mettre mon bureau ici. Ça, c'est aux parents. On décale aussi légèrement. Le pouf, on va le vendre.
Et là, on a un petit espace qui va se créer ici où je vais pouvoir créer la chambre de mon futur enfant. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu un réaménagement. Faut que je réfléchisse à plusieurs paramètres. Déjà, savoir est-ce que je laisse la porte là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va aller dans la porte chez les parents, il va falloir qu'on passe chez l'enfant. Donc ça, c'est pas terrible. Je pense qu'on va clôturer ici. Et il va y avoir une autre... Il va y avoir une autre porte qui va chez les parents. Donc il nous faut donc des murs. C'est là où on voit que l'appartement, c'est un petit peu light. Alors du coup, il faudrait partir d'ici. On va être obligé de bouger aussi le fauteuil. Je pensais faire quelque chose comme ça. Donc pour faire ça, on va devoir bouger ce fauteuil là, qui du coup va pouvoir se mettre ici. On va peut-être même pouvoir caler le bureau au final. Je me dis, parce que si je mets ça là, je peux très bien caler mon bureau là. Et au final, pas être obligé de couper le coin salon. Et ici, je mettrai une porte pour accéder. Ou alors on inverse. Après, voilà, la chambre de l'enfant donnerait du coup sur l'extérieur. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Là, j'ai pas vos conseils, donc il va falloir que je me débrouille toute seule comme une grande. Mais vous allez pouvoir me les donner dans les commentaires et me dire si vous auriez fait ça, si vous auriez fait de manière différente. Et puis moi, comme ça, je pourrais réajuster ensuite. Je vais mettre un rouge comme ça pour la chambre de l'enfant. On peut même mettre un truc un peu plus... Voilà. Après, on sait pas si c'est un garçon ou une fille, donc c'est un petit peu délicat pour l'instant de définir la couleur. Je vais mettre comme les parents pour l'instant. Et puis on décidera par la suite, en fonction de si c'est un garçon ou une fille, on redécorera et on fera quelque chose d'un petit peu plus enfantin. Voilà, alors du coup nous avons la chambre ici, il va nous falloir une porte pour accéder au deuxième espace. Peut-être une porte un petit peu plus moderne. Voilà, parfait. Donc du coup là on accède à l'espace parent, ici l'espace enfant. Alors je sais pas comment je vais faire, si je ferais pas mieux de mettre une porte là en fait pour accéder directement aux parents. Mais c'est bien quand même que je trouve que la chambre enfant-parent communique, au moins au début, après on peut modifier. Et je rajouterai bien une porte ici. Je vais la mettre de la même couleur, rouge et grise. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de les faire communiquer au final. Comme ça, c'est bien. Comme ça, les portes sont juste à côté. Et on a quand même espace enfant, espace parent. On garde notre petit coin bureau. Il y a juste la banquette là, du coup. Elle passera pas. Ça va être vraiment just. À moins qu'on décale le lit, mais du coup, il va être bloqué après. Donc je pense que la banquette, il va falloir la sacrifier aussi. C'est dommage parce que je l'aimais vraiment bien. Je trouvais qu'elle rendait vraiment sympa et du coup on peut pas la garder. Ou alors on la garde chez l'enfant, mais je trouve que ça fait quand même vachement sombre pour une chambre d'enfant. Donc je pense que je vais pas la garder pour le moment. Pour la décoration de la chambre, on va partir sur quelque chose d'assez neutre. Et je changerai ensuite le sol et puis les murs. On peut déjà lui prendre un lit pour la suite. Déjà un petit peu anticipé. Voilà, on lui met sa petite licorne, le petit lit, si on a les deux portes. On va lui mettre des meubles. On va garder quelque chose d'assez neutre. Alors, hop, du coup, ça, je vais le passer chez les parents. Voilà, on va mettre un petit tapis peut-être, ce sera un petit peu plus joli. Alors, normalement, on a des beaux tapis. Donc, on peut peut-être essayer de mettre quelque chose d'un peu plus coloré. Oh! J'avais pas vu qu'il y avait tous ces styles là, alors attendez, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors ça, je trouve ça un petit peu spécial. Celui-là est joli. On en a des vraiment très colorés, c'est sympa. On va lui mettre quelque chose d'un petit peu coloré comme ça, je vais changer le sol au final. Parce que c'est quand même un enfant, donc c'est important qu'il ait... qu'il ait des couleurs et que ce soit agréable d'aller dans sa chambre. Donc je pense qu'on va mettre un sol assez clair pour l'instant. J'aime beaucoup ce sol là. Voilà, c'est du bois, c'est assez chaleureux. On a la petite licorne, on a mis son lit. Je vais peut-être décorer un petit peu, mettre juste un ou deux petits posters, quelque chose qui fasse vraiment enfant, qui fasse sympa. Alors, on va lui mettre des petits nuages pour qu'il fasse une douce nuit. Voilà. De quoi le mesurer quand il sera petit.
Hop, on va mettre ça ici. Puis après, il choisira sa déco, hein. Je vais pas lui imposer des choses. Ça grandit vite, ces petits bouts-là, ces bouts-là. Alors là, ça fait carrément un doux. On est en train de quitter. Je vais lui mettre une petite lampe ou deux. Voilà, quelque chose de mignon, de coloré. Je sais pas ce que vous en pensez. Il manque juste peut-être quelque chose ici au mur aussi. C'est un petit peu tristounet. Donc on va lui mettre un petit cadre. Des petits lapinous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui serait sympa? Alors une pomme et une poire, non, pas spécialement. Voilà. Voilà, comme ça il y a des petits papillons ici. Là il y a des petits cadres. On a le lit pour quand il sera un petit peu plus grand, que du coup je mettrai à côté du berceau. Le berceau, ah, celui-là du coup ne va plus avec. Parce qu'on a un tapis, voilà, d'une couleur, une couleur qui va avec. Donc on est dans les bleus, bleu, vert, rose, jaune, orange. C'est coloré, c'est joli, c'est frais. J'aimerais bien poser un petit ustensile ou deux ici. Nourriture de synthèse. Appétissant? Pas vraiment. Pas vraiment du tout. Coffret pour esprit encombré. Non, mon enfant n'a pas un esprit encombré, je vous remercie. Il n'est pas encore né, mais je le sais. D'outils de jardin, des petits produits pour le corps, des petits soins, des petites choses que je vais pouvoir utiliser quand je le mettrai sur la table allongée. Et ben voilà, je trouve qu'on est pas mal. J'attends vos avis. Mais voilà, ça fait beaucoup plus enfantin. Alors c'est sûr qu'on quitte un petit peu le style Harley Quinn, mais voilà, tant qu'il est petit, on va là-dessus. Et puis après, je pense qu'en grandissant, il suivra un petit peu plus le style de papa ou maman. Et là, on pourra totalement changer sa chambre et mettre quelque chose de beau. Je trouve que le challenge est réussi, ça n'a pas été évident. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, on a fait tomber enceinte Harley Quinn. On a mis un petit peu en place la chambre du bébé. Et je pense que pour le prochain épisode, bah, on verra un petit peu l'accouchement et puis à quoi ressemble ce nouveau-né. Ça me fait un petit peu peur. Est-ce qu'il va avoir les cheveux verts comme papa ou les cheveux blonds comme maman? Est-ce qu'il sera roux? On n'en sait rien. Ça va être un petit peu la surprise. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner des idées pour la suite ou à commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et je vous fais plein de bisous.